Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine Savoir Plus. Les langues maternelles en Côte d'Ivoire ou encore les langues ivoiriennes ne sont pas suffisamment pratiquées, de sorte que leur champ de praticabilité pleine et entière est réduit aux zones rurales, notamment aux villages. Pourtant, les langues ivoiriennes ou locales semblent être les principaux vecteurs de la culture ivoirienne. Alors pourquoi et comment pérenniser les langues maternelles en Côte d'Ivoire? Pour nous l'expliquer, trois invités. Monsieur Adoua Okwasi, il est écrivain, chercheur, président de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Avec lui, le professeur Jérémy Kouadio, doyen de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le professeur Aouli Paul, qui est pédiatre de formation, mais il est promoteur de la langue abourée. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Merci d'être des nôtres. Pour avoir un aperçu des langues maternelles, nous allons suivre ce reportage de Evelyne Deba. Non. Bon, parmi tout le monde, donc, minya ki damna ki kre chen chen bodum gagre hi anko mala maya maya la pena po aka abengro no eh ma ye gba o eh le tagbana, une langue originaire du nord de la Côte d'Ivoire, parlée dans une famille à Abidjan, la capitale économique, une pratique rare, c'est pourtant le choix de la famille Koulibaly. Il est important que nos enfants sachent parler nos langues. Et ne les sachant pas parler, nos langues finissent par mourir. Et pour ne pas que la langue tagbana meure, Dame Koulibaly l'apprend à ses petits-enfants. Elle a même écrit un livre destiné à l'apprentissage du tagbana, le titre « Kiyogba Mounou », traduisez « Dis-le dans ta langue ». À Abidjan, où les jeunes ne s'expriment qu'en français ou même en ouchi, l'argot ivoirien, c'est une fierté pour les enfants Koulibaly de parler leur langue. Il suffit vraiment de parler ma langue maternelle. C'est ce que mes parents m'ont appris. J'aimerais aussi apprendre ça à mes petits-enfants pour qu'eux aussi puissent apprendre aussi à d'autres personnes. Comme Katia, quelques jeunes s'intéressent à leur langue maternelle et la comprennent bien. Ils sont allés. Ça dit, bon, tu me plais. Des amis, camarades étudiants, les mêmes langues que moi, donc ensemble souvent parlant gourou en classe, même ma fille même. Je parle très bien le sinoufo. Depuis le bas âge, c'était la première langue que ma mère nous a appris. Ma mère, elle est haïzi. À la maison, on apprend plutôt la langue de notre mère. Bonjour, Nachala en haïzi. Viens manger, Beindjile. À côté de ces jeunes qui maîtrisent parfaitement leur langue, se trouvent ceux qui en ont une vague notion et ceux qui ne parlent pas du tout leur langue. Mon père, il est Agni et ma mère, Baoulé. Je comprends les deux, mais je ne parle pas. Enfin, je parle difficilement. Bon, le Baoulé, bon, la mère parle souvent. Bon, je ne maîtrise pas mes deux langues. Ma mère aussi, quand je lui dis de m'apprendre un peu la langue, elle trouve que c'est inutile parce que cette langue, on ne fait pas à l'école. Impossible pour nous de comprendre les raisons pour lesquelles certaines familles ne s'expriment qu'en français. Aucune famille n'a accepté de nous recevoir. Toujours est-il que cette attitude favorise la disparition des langues. Vous perdez une langue, vous perdez une culture, vous perdez une civilisation entière. Il y a une langue qu'on appelle le Souma qui a disparu, qui était parlée dans la zone du sud-est de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi une variante de la langue éotilée qui est aussi perdu. Il y a aussi une langue qu'on appelle le Mbré, qui est parlée par quelque 100 personnes au nord de la Côte d'Ivoire, qui est menacée aussi de disparition. La langue maternelle n'est ni la langue de la mère, ni la langue du père, selon les linguistes. C'est tout simplement la première langue apprise, la première langue avec laquelle on est en contact. Vous êtes par exemple bété, mais vous avez été élevé par un agni et vous parlez l'agni, c'est donc l'agni votre langue maternelle. Pour éviter la disparition des langues, les spécialistes conseillent de les parler ou de les apprendre. Si vous avez appris l'anglais, vous avez appris l'allemand, vous avez appris d'autres langues, vous pouvez apprendre les langues africaines de la même manière. Et c'est vérifié.
Assirou Sara, linguiste, née de père nigérian et de mère baoulé, parle non seulement le yoruba, mais également plusieurs langues de Côte d'Ivoire, notamment le dioula, l'agni, le baoulé et les enseignes. Encore, vous le fond en baoulé. Lundi, c'est dit kissier. Encore, c'est facile d'apprendre nos langues. Nos langues aussi ont un orthographe et un alphabet. Parmi les apprenants, des fonctionnaires, des jeunes, des mères. Je m'intéresse au baoulé pour pouvoir mieux communiquer avec ceux qui parlent le baoulé. Les linguistes sont formels. Il est possible de traduire dans nos langues toutes les notions chimiques, biologiques et même mathématiques. La Côte d'Ivoire compte une soixantaine de langues et selon les spécialistes, l'une des causes fondamentales de la disparition des langues maternelles, c'est l'absence de langue nationale. Au Bénin, vous avez le Fongbé, qui est une langue pratiquement nationale. Au Togo, vous avez le Gamina. On ne peut pas choisir une seule langue, ce sera difficile en Côte d'Ivoire. Mais on peut choisir au moins quatre grandes langues, c'est-à-dire le Yula, le Baoulé, le Bété. Et le Sonofo. Une dizaine d'ONG œuvrent pour la promotion des langues maternelles, notamment l'ONG Savoir pour mieux vivre, qui édite des syllabaires dans plusieurs langues. C'est elle l'initiatrice de la quinzaine des langues maternelles. Dans la mesure où il y a une langue, c'est-à-dire un élément de communication, il faut promouvoir cet élément de communication pour qu'on puisse se comprendre, parce qu'une langue est aussi le miroir de la culture. Ces ONG bénéficient certes de l'appui du ministère de la Culture et de la Francophonie, mais il faut dépasser les discours et poser des actes pour éviter la disparition de nos langues. Pourquoi ne pas commencer par instaurer un ministère de l'alphabétisation et de la promotion des langues maternelles, comme c'est le cas dans plusieurs pays, notamment le Mali, la Guinée. Ce reportage résume bien tout ce que nous allons dire sur ce plateau, mais avant d'arriver à tous les points qui ont été évoqués, je voudrais préciser que nous sommes en compagnie du professeur Kwadwo Nguessan-Jérémy. J'avais omis de dire qu'il est linguiste et il est membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures africaines et des diasporas. Messieurs, vous venez de suivre un élément qui parle si bien des langues nationales, de tout ce que les langues nationales rencontrent comme difficulté. Elle a avancé des chiffres. Dites-nous, combien de langues maternelles compte la Côte d'Ivoire? Monsieur Adoua Kouassi. Merci madame. Je voudrais, avant de répondre à votre question, dire merci à la RTI qui nous donne l'opportunité de parler d'un sujet qui porte sur la vie de la nation, de notre patrimoine commun, les langues maternelles. Et concernant le nombre de langues, voilà, le professeur est là avec les travaux réalisés par l'ILA. On a entendu parler de plus de 60 langues. Il y a aussi des ONG qui parlent de 48 langues. Mais nous estimons que ce soit 48 ou 60 langues, ce qui est important, c'est de doter toutes ces langues-là d'écriture pour que, de façon objective, on puisse les quantifier et savoir dans quelle localité est située telle ou telle langue. Nous allons y arriver. Professeur Jérémy Kouadio, il a tout de suite parlé de vous, vous qui êtes linguiste, vous qui travaillez au niveau de l'ILA. Dites-nous combien de langues maternelles compte la Côte d'Ivoire, exactement. Alors à cette question, souvent nous disons que il y a approximativement 60 langues. Pourquoi nous disons approximativement? Parce que le décompte a été fait il y a très longtemps. Et quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a des parlers qui sont proches, qu'on a classés comme des langues différentes. Et puis il y a des langues qui n'étaient pas répertoriées, qu'on retrouve par exemple le béret qu'on a trouvé autour de Djenumbwe qui n'était pas répertorié. C'est pour ça que nous sommes assez prudents. Quand on parle des 60, 65, tout ça, nous disons grosso modo une soixantaine de langues. Mais ce qui est important, et sur le fait sur lequel il faut insister, c'est que toutes ces langues-là appartiennent à une seule famille linguistique africaine qui est le Niger-Congo. Ce qui veut dire que malgré cette diversité de surface que nous constatons, ces langues-là, quelque part, ont quelque chose en commun. Donc c'est ça qu'il faut retenir. La langue maternelle, c'est la première langue apprise dès la naissance de l'enfant. Est-ce que cette définition de la langue maternelle est exacte? Considérer la langue maternelle comme étant la langue de l'environnement immédiat de l'enfant serait avoir une vue un peu trop simpliste de la question de la langue. Parce que si c'était le cas, en ce moment, notre combat n'aurait plus de sens. Parce qu'aujourd'hui, je dirais près de
d'un tiers de la population ivoirienne aurait la langue maternelle comme le français et il n'y aurait plus de combat à mener. Or, nous pensons que la langue maternelle doit aller au-delà de la langue la langue de l'environnement immédiat et être considérée comme étant la langue de l'âme de la personne concernée. La langue qui lui permet de promouvoir toutes ses valeurs culturelles et de faire en sorte que, eh bien, il soit enraciné et qu'il ne soit pas à la merci de tout vent. Vous avez lâché le mot promouvoir les valeurs culturelles. Dites-nous, professeur Aouli Paul, oui. Vous qui êtes le promoteur de la langue abourée, dites-nous en quoi est-ce que la langue maternelle peut promouvoir la culture. Mais la langue maternelle, ce que vous ne savez pas, c'est que quand le bébé est en train de téter la mère, si elle parle, ça rentre dans l'oreille de l'enfant et ça reste. Parce que l'oreille de l'enfant est un buvard pour les langues. Et en Afrique, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant qu'il tète, il entend ça. Ensuite, il est au dos de la mère. Partout elle passe, il entend ça. Ensuite, à partir de 3 ans, il joue avec les autres. Il entend encore. Et ainsi de suite. Et c'est gravé. À 2 ans, si vous dites une grosse bêtise, l'enfant de 2 ans va vous le répéter quand vous êtes au salon. Vous voyez? Donc, c'est véritablement, ça entre en lui et c'est tout. La langue maternelle peut être ethnique et peut être véhiculaire. Vous voyez? Aujourd'hui, on a transformé le français en langue véhiculaire, c'est-à-dire que tu n'es pas allé à l'école, mais tu parles la langue. Elle peut être ethnique, expliquez-nous. Elle peut être ethnique, c'est-à-dire que c'est abouré, dans le directement. Abouré. Alors que si c'est véhiculaire, ça peut être de Djula et que tout le monde va parler. C'est comme le Wolof qu'on parle au Sénégal, c'est véhiculaire. En Côte d'Ivoire, c'est plutôt le français qui est véhiculaire et qui fait que, comme ça s'écrit, ça étouffe les autres. Okay. Nous allons revenir parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est comment amener nos langues à avoir une écriture. Et je pense que le travail est déjà fait. Professeur Kwadur Jérémy, dites-nous, en quoi est-ce que nos langues maternelles sont des vecteurs de la culture? Et pour répondre à cette question, il faut peut-être élargir un peu le débat et voir comment le monde fonctionne. C'est-à-dire quand vous voyez ailleurs, tous les peuples, beaucoup de peuples, parlent leur langue maternelle. Et la question se pose simplement en Afrique subsaharienne, où nous avons été obligés de parler la langue des autres. Donc les autres ne se posent pas la question de savoir en quoi leur langue est vecteur de culture. C'est nous qui nous posons la question, parce que justement, nous avons été obligés, parce que nous savons, de parler la langue des autres. Mais la langue maternelle... Justement, parce qu'une grande frange de la population ne parle pas ces langues-là. Voilà. Et même ceux qui les parlent, il faudrait les aider à aller au-delà du simple fait de parler, ces langues. C'est pour ça que nous parlons d'écriture, nous parlons de l'alphabétisation. C'est-à-dire qu'il faut que ces langues-là puissent aujourd'hui jouer leur rôle dans l'ivoirien moderne, chez l'ivoirien moderne. Nous allons avoir l'ivoirien émergent à l'horizon de 2020. Mais nous allons émerger avec quoi? Qui serons-nous? Nous parlerons français, chinois, russe, et puis on ne parlera plus baoulé, on ne parlera plus djoula. On sera quoi alors? Comment on va nous définir? Moitié américain, un peu français, un peu chinois. Donc nos langues et la culture qu'elles véhiculent doivent pouvoir nous accompagner. Et ça n'empêchera pas que nous parlions en même temps français, chinois, anglais, tout ce que nous voulons, mais en même temps, il faut aussi que nous puissions... Et c'est ça la valeur de ces langues-là. Et puis, nous pouvons en faire aussi des moyens de développement. Est-ce que le fait que quelqu'un ne parle pas sa langue maternelle l'amène à ignorer carrément sa culture? On peut ne pas parler la langue maternelle et puis connaître sa culture. Oui. Peut-être qu'avant avant de répondre à la question, il faut savoir ici qu'est-ce qu'on appelle culture. Donnez-nous la définition. Oui. C'est vrai que la culture a une définition vaste. Mais ici, je pourrais appeler culture l'ensemble des traits caractéristiques propres à un peuple donné et qui permettent à ce peuple-là de cheminer vers la noblesse. Et ici, si vous ne parlez pas votre langue,
cette langue-là qui est le réservoir de toutes ces valeurs dont vous avez besoin pour votre bien-être, votre épanouissement, si vous ne parlez pas, eh bien, vous ne pouvez pas être enraciné parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont vous échapper. Vous, si vous prenez les contes, par exemple, les proverbes et bien d'autres choses, ce sont des vertus que ces instruments-là véhiculent. Et donc, si vous n'avez pas cet instrument-là, et surtout s'il n'est pas écrit, eh bien, au fur et à mesure que les années avancent, eh bien, vous allez être phagocyté par tout ce qui arrive de l'extérieur parce que vous n'êtes pas enraciné par un repère qui est transporté par cette langue, la langue maternelle. Donc, prenons l'exemple, par exemple, d'un enfant qui reçoit, à l'absence de ses parents, des visiteurs. Mais cet enfant-là, moi j'étais avant-hier à Bondoukou, mais j'ai rencontré le fils de mon bonhomme qui nous a dépassé carrément. Mais cet enfant, parlant de visiteurs, il ne sait pas qu'il faut donner de l'eau à boire aux visiteurs, lui demander les nouvelles, et ne le faisant pas, eh bien, c'est parce qu'il a perdu certains aspects de cette culture-là. Et donc, si la langue était pratiquée, à l'intérieur de cette langue-là, il y aurait ces valeurs-là qui lui auraient été enseignées. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Si je prends par exemple le cas de... habituellement, on voit par exemple quand on cherche une jeune fille pour travailler à la maison, on se dirige généralement vers Bondoukou. Mais c'est parce que justement, là-bas, il y a eu cette éducation. Et aujourd'hui, malheureusement, avec l'avancée de... Vous pensez que c'est parce qu'elles sont mieux éduquées? Parce qu'elles parlent leur langue maternelle? Non, mais parce que la langue qu'elles parlent, oui, transporte des valeurs. Et si vous ne parlez pas justement cette langue-là, non seulement les valeurs qui sont dedans, à l'intérieur, disparaissent, parce que c'est au contact de... Il y a la télévision, il y a le cinéma, il y a tous ces éléments-là qui viennent phagocyter ces valeurs-là. Et donc, nous n'allons pas focaliser l'entretien autour de ça, parce que là, les avis peuvent être partagés. Professeur Aouli. Ce qu'il y a, c'est que la langue nationale te donne la nationalité et la citoyenneté. Ta langue te donne l'identité. En Côte d'Ivoire, tu as le citoyen ivoirien, mais tu es abouré. Ce n'est pas la même chose. Il y a la nationalité, la citoyenneté qu'a donné la Constitution, et tu as ton identité qui est abourée. Vous voyez? Oui. Et à partir de ce moment-là, il faut faire attention. Parce qu'une langue, pour moi, c'est une matière première pour produire des paroles. Parce que quand je dis je parle, je produis des paroles. Oui. Et quand j'ai produit, si je le laisse en silence, c'est la pensée. Si je le mets dans le son, c'est l'oralité. Si je le mets dans le geste, c'est l'écrit. Vous voyez? Donc, ce qui est important, si tu parles la langue... C'est aussi les signes. Les signes, c'est le langage. Okay. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas cette identité, si vous ne retournez pas dans le milieu, vous ne saurez rien sur les réalités du milieu. Or, aujourd'hui, l'école vous enlève de l'école, du milieu et ça ne vous ramène pas. Dès que vous avez l'entrée en sixième, vous avez une maladie qui s'appelle exode rural. Quand vous avez le bac, vous avez une maladie qui s'appelle immigré. Et une fois que vous êtes parti, vous ne revenez plus du tout. On ne vous appelle pas. Vous voyez? Et quand vous arrivez, vous n'avez plus les réalités. Ce qu'il y a, c'est que la langue sert à humaniser l'enfant. Je vous donne un exemple. Quand l'enfant est dans votre ventre, quand il bouge, il est être vivant. Comme l'agneau qui est dans le ventre de la vache. Mais quand ils sortent, à 3 mois, quand vous souriez, la mère sourit, le bébé sourit. Là-bas, on ne sourit pas, c'est séparé. Et à partir de ce moment-là, on vous apprend à saluer. À saluer, et c'est ça qui vous rend humain. Et si vous n'êtes pas dans le milieu, vous ne saurez pas quels sont les gestes qui rendent humain dans ce milieu pour que vous puissiez être intégré. Professeur Jérémy Kouadio, vous qui êtes linguiste, dites-nous, le fait de ne pas parler sa langue maternelle, est-ce que rend la personne acculturée?
Elle a cultivé dans sa culture, oui, bien sûr. C'est une aliénation, ça c'est clair. Sinon, la question de tous les peuples ne se battraient pas pour la promotion de leur langue. Demandez aux Français s'ils peuvent abandonner le français pour parler l'américain, puisque aujourd'hui c'est l'anglais qui domine le monde, mais ils vont sortir leur revolver. Donc la langue est très très importante, elle véhicule cette culture-là, le fond. Et il n'y a pas de raison que ce que nous avons été depuis des millénaires, qui transmet à travers, qui passe à travers nos langues, disparaisse, parce que nous allons avoir une culture. Regardez un peu ce qui se passe dans le milieu en ville. Les jeunes gens, comme ils ne maîtrisent plus tellement leur langue maternelle, ont créé le nouchi par lequel ils essaient de véhiculer des choses venant du village. Et ça fait une espèce de culture hybride et bâtarde. Alors que la maîtrise de sa langue maternelle permet justement de valoriser, de développer cette culture, parce que les cultures ne sont pas statiques. Hein, on a des valeurs qu'on peut véhiculer par ces langues. Et puis vous voyez, quand, je ne sais pas si vous écoutez souvent les chansons africaines, quand un bon chanteur chante, quand vous connaissez la langue, vous appréciez ça avec amour, de la même manière que vous apprécierez un Brel ou un Brassens, de la même manière que vous pouvez apprécier Tima Bailly, Ala Thérèse, mais c'est au même endroit. Donc c'est ça la culture aussi. Donc il n'y a pas de raison que les autres viennent avec leur culture. Prenez le Chinois, ils vont dominer le monde, ils viennent avec leur culture, les Japonais, puis nous, on va venir parce qu'on n'a pas cette possibilité de nous exprimer à travers nos langues. On va perdre tout ce que nous avons comme valeur subtile que la langue véhicule. Donc c'est un peu ça le problème qui est posé. Okay. Vous l'avez si bien dit, la langue maternelle est tellement importante que l'UNESCO a proclamé la Journée internationale de la langue maternelle depuis le 21 février 2000. Et depuis cette année, la journée est célébrée le 21 février de chaque année, 13 ans après. Qu'est-ce que cette célébration a apporté aux langues maternelles en Côte d'Ivoire, professeur Jérémy Kouadio? Alors, moi, je pense que c'est d'abord de la communication sur le problème des langues nationales, parce que, comme je dis souvent, chez nous, les Ivoiriens sont un peu ignorants de problèmes de langue. En général, ils pensent que ce n'est pas important. Et si un organisme comme l'UNESCO institue une journée mondiale, je pense que ça peut faire penser les Ivoiriens. Si bien que le travail que nous faisons, comme l'Académie, comme l'Institut, les Ivoiriens commencent à avoir une oreille attentive à ce qui se dit, à ce qui se fait, aux expériences que nous faisons. Et c'est comme ça, progressivement, que nous allons tous ensemble dire « ces langues-là ont de l'importance ». Si l'UNESCO l'a proclamé et que ça se passe dans le monde entier, ça veut dire que les langues maternelles sont importantes. Donc il n'y a pas de raison que chez nous, alors qu'elles sont encore vivantes, elles ne sont pas encore mortes, même si beaucoup sont en voie de disparition, elles sont importantes, il faut qu'on les préserve. Donc je pense que c'est un peu l'importance de cette journée. Et nous, ça nous permet aussi de communiquer. La preuve, c'est que vous en parlez, nous en parlons, pour que les Ivoiriens, nous devons sensibiliser tous les jours les Ivoiriens pour qu'ils adhèrent à cette idée qu'on peut être tout ce qu'on veut, ingénieur, tout ce qu'on veut, mais parler sa langue, ça ne diminue en rien l'homme. Donc c'est un peu le combat que nous menons et que nous saluons donc l'institution de cette journée mondiale. Professeur Aoulupo. Oui, ce qu'il y a, c'est que l'UNESCO a proclamé cela, c'est pour sauver le patrimoine. Parce que la langue est un patrimoine. Alors, si nous-mêmes, nous jetons notre patrimoine, c'est tant pis pour nous. Et nous n'aurons pas d'identité au milieu des gens. Donc, vous voyez que déjà, ceux qui sont une institution ont compris qu'il faut sauver les langues. Maintenant, nous-mêmes qui avons cette langue, on fait, et puis ça s'arrête là. Et ça s'appelle motivation d'intention. Motivation d'intention. Oui, mais pas motivation d'engagement. Parce que, mon Dieu, quand vous parlez la langue à un enfant, à une personne, sa langue, vous touchez son cœur. Touchez son cœur, et d'un seul coup, il pousse un soupir de conviction. Ah, vous voyez. Mais si vous parlez en français, c'est pour sa tête. Il va oublier ça tout de suite. C'est pour cela que nous continuons de lutter pour dire que celui qui ne parle pas sa langue a une citoyenneté et n'a pas d'identité.
Monsieur Adoua Kouassi, oui. C'est tellement, c'est bien dit. Oui. Oui. Merci madame. Oui, vous avez dit que ça fait 13 ans que l'UNESCO et organise. Vous êtes sur le terrain aussi. Oui, nous sommes et sur le terrain. Qu'est-ce que cette célébration mais faut, ce a qu'il apporté faut, aux langues ce qu'il faut faire remarquer, c'est que la journée internationale a été organisée en Côte d'Ivoire, c'est 10 ans après son institution. Cela fait 3 ans. Que, seulement qu'on célèbre. Oui, 3 ans seulement que, grâce à l'Académie ivoirienne de langue maternelle, la journée internationale de langue maternelle est organisée en Côte d'Ivoire. L'Académie qui a interpellé les autorités qui ont été attentives à cet appel. Et il faut dire que, justement, c'est que l'UNESCO, à travers cette organisation, cette manifestation, veut nous montrer que nous avons là notre première valeur à partir de laquelle nous pouvons nous développer véritablement. Et l'intérêt que nous en tirons, c'est que, à l'endroit des populations, l'UNESCO veut montrer que les langues doivent être pratiquées et que, malgré la puanteur du poulailler, eh bien, celui-ci est un palais doré pour le coq. Nous devons donc les aimer. Et donc, à l'endroit des États, des gouvernants, l'UNESCO veut montrer qu'il faut et poser des actes dans le sens de la codification de nos langues. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous parliez d'écriture, de parler de la langue, moi ça me gênait un peu. Je pense qu'il faut poser le problème en termes de développement de la langue. Sinon aussi, c'est simplement pour nous parler. Nous allons en parler, d'accord. Nous allons arriver à cela. Parce que voilà. C'est ça le combat, le but même du combat. Mm-hmm. Nous allons arriver à cela. Voilà, et donc à travers ça, c'est pour exhorter vraiment les autorités à codifier les langues, à doter les langues d'écriture en Côte d'Ivoire pour qu'elles puissent nous servir véritablement. Le professeur Jérémy Kouadio a dit tantôt que pour aller à l'émergence, il faut bien aller avec quelque chose. Et nous savons que l'émergence de la Côte d'Ivoire, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. Donc dites-nous, aller à l'émergence avec les langues maternelles, comment contribuent-elles au développement économique et social de l'individu lui-même et de l'État tout entier? Bon, quand on pose cette question, souvent la réponse ne paraît pas évidente. Parce qu'on a toujours l'impression que les autres. Comment les autres ont procédé? C'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, je me dis toujours que nos langues sont là, nous avons vécu pendant des millénaires, elles sont là, en 2013. Et nous sommes là aussi. Nous sommes des citoyens du monde. Elles sont là, bien qu'elles soient orales. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est pour ça que justement nous avons cette chance aujourd'hui de pouvoir les instrumentaliser très rapidement. Donc on a presque des raccourcis, on n'a pas tout un long chemin à parcourir pour les doter d'écriture. Et ces expériences-là se font et ça marche très bien. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de pays d'Afrique, le Botswana, l'Afrique du Sud même, qui a adopté plus l'anglais et l'africanaire, 9 langues nationales qui sont en train d'être développées. Donc il y a beaucoup de pays qui tentent ces expériences-là. Donc je pense que c'est si l'Union africaine a décidé que ces langues avant l'UNESCO, c'est l'UIA qui a décidé que ces langues doivent être développées. Je pense que c'est parce que on sait que ces langues-là sont importantes. Donc je pense que pour l'émergence, il faut, bien sûr, le développement, mais il faut aussi que la personnalité de l'Ivoirien émerge avec toutes ces valeurs-là pour qu'on puisse reconnaître un Ivoirien d'un Nigérian, d'un Ghanéen, d'un Français, d'un Américain. Et c'est la richesse du monde, c'est cette richesse-là que nous voulons préserver. Donc c'est un peu la question. C'est le combat de la préservation de l'identité. Préservation et l'enrichissement en même temps. Okay. Non seulement la préservation de l'identité, mais l'enrichissement, et qu'elle soit adaptée au monde moderne, et qu'elle marche avec le monde moderne. Parce que on prend toujours les exemples des autres pays, bon, c'était très facile, je pourrais citer les Chinois, les Vietnamiens, qui eux ne se posent pas ce type de problème. Pour eux, c'est tellement évident qu'ils se développent avec leur langue, leur culture, que la question ne se pose même pas. Il n'y a qu'en Afrique subsaharienne, je précise bien, en Afrique subsaharienne, hormis l'Afrique du Sud, où ces problèmes-là se posent. Donc je pense, et que, si vous voyez les problèmes, je finis là-dessus, oui. Les pays, quand vous voyez les pays qui sont en développement ou bien qui sont en voie de développement, la majorité c'est dans cette zone-là. Est-ce qu'il y a quelque part, il n'y a pas un problème qui se pose?
se développer à travers la culture et la langue des autres, est-ce que c'est si performant que ça? Je ne suis pas très sûr. Professeur Aoudipo, c'est simple. Quand vous êtes né, vous êtes analphabète. Oui. Autrefois, il n'y avait pas la société du livre. Maintenant, il y a la société du livre qui vous attend. Donc, vous êtes né comme riverain auprès d'un fleuve. Si vous n'apprenez pas à nager, vous ne pourrez pas profiter du fleuve. Et c'est pour cela que nous naissons analphabètes. Mais comme il y a une société du livre, il faut absolument entrer dans cette société du livre. Qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré avec une autre langue. Et aujourd'hui, alors que nous naissons analphabètes, c'est-à-dire... Sans même connaître pour le moment la langue maternelle. C'est-à-dire que nous avons un handicap intellectuel. Nous avons un handicap intellectuel qu'il faut combler, qu'il faut réhabiliter. Alors, pour réhabiliter, il y a deux techniques intellectuelles dans la société, dans l'écriture. Oui. C'est l'écriture et la lecture. Écrire, c'est reproduire artificiellement ce qui est dans votre tête sur un cahier ou ce qui sort de la bouche de votre interlocuteur sur un cahier. Mais dans le cas de nos langues maternelles, on ne parle pas d'écriture. Mais c'est pour cela que nous sommes obligés d'écrire dans nos langues pour entrer dans la société du livre. Sinon, aujourd'hui, nous qui sommes assis ici, nous sommes encore analphabètes résiduels. Ah bon? Nous parlons deux langues, nous écrivons une seule. Et donc, nous devons écrire toutes les langues que nous parlons? Si je parle abouré, si j'écris, je parle français, je dois écrire en français et en abouré. Et en ce moment-là, je réhabilite mon analphabétisme. Sinon, vous naissez, vous êtes analphabète absolu, vous êtes allé à l'école, ça n'a pas marché, vous êtes illettré. Et si vous parlez deux langues, votre langue maternelle et une langue étrangère, que vous n'écrivez pas dans votre langue étrangère, maternelle, vous avez un analphabétisme résiduel. Est-ce que le meilleur économiste, c'est celui qui maîtrise sa langue maternelle? Le meilleur médecin, c'est celui qui maîtrise sa langue maternelle? Et j'en passe. Dites-moi. Oui, avant d'en arriver là, il faut faire remarquer qu'on parle d'émergence, on va à l'émergence. Mais pour aller à l'émergence, il faut être avec grand E d'abord. Pas de développement. Pas de développement. Mm-hmm. Mais il faut aller au développement avec son identité propre. Et si nous n'avons pas d'identité, c'est-à-dire que c'est comme si nous allions au développement sans ce que nous avons, nous avons de nous-mêmes. Et c'est la finalité du développement, c'est quoi? C'est d'arriver à être autonome. Si nous sommes développés et que nous sommes dépendants, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pour ça, dans le sens de cette autonomie-là, il faut faire remarquer que en 1539, le français même que nous parlons aujourd'hui a été imposé par le roi François Ier, qui n'en pouvait plus de subir les tracasseries de disons les langues étrangères. Oui, des langues étrangères, notamment le latin. Le latin des Romains. Et donc il a réquisitionné le cardinal de Richelieu pour mettre en place un alphabet. Et donc il faut que nous soyons d'abord. Mais au-delà de cela, si nous allons sur le plan social, aujourd'hui on parle de développement, mais pour être développé, il faut avoir la paix. Il faut avoir une cohésion sociale. Or, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que plus de 62% de la population est analphabète et nous ne nous comprenons même pas assez. C'est pour ça que si nous disons que si les langues sont développées, écrites, enseignées, alors celui qui est à l'ouest peut apprendre la langue de celui qui est au nord, à l'est et ainsi de suite. Et le mur de méfiance sera brisé entre nous. Mais au niveau même au-delà de l'aspect social, nous avons aussi le côté éducatif. Aujourd'hui, nous savons que grâce à la langue maternelle, eh bien, l'enfant devient plus intelligent, il devient sage. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Oui, mais c'est scientifiquement prouvé. Si la Banque mondiale a fait des études et après lesquelles elle a suscité l'instauration du projet école intégrée, c'est que ce n'est pas faux. Et même aujourd'hui, quand on parle de développement, mais tout le monde parle d'économie. Mais si par le passé,
les médicaments avec lesquels nos parents se sont soignés pendant des millénaires, s'il y avait l'écriture de nos langues et que ces connaissances avaient été cristallisées, madame, aujourd'hui, on se soignerait on se soignerait facilement. On n'aurait pas besoin de faire venir des médicaments d'ailleurs pour nous soigner. Et donc, on a besoin de tout ça, notre patrimoine propre, pour être autonome. Et en ce moment-là, on pourra parler de développement. Et sinon, oui, je vais revenir un peu sur la question du développement. Dites-nous, est-ce que parce qu'on parle sa langue maternelle ou ses langues maternelles, on les parle parfaitement, c'est ce qui fait que on a une bonne croissance, le pays a une bonne croissance économique, c'est ce qui fait que l'Ivoirien mange à sa faim, c'est ce qui fait que le taux de pauvreté va chuter. C'est vrai qu'on n'a pas, on peut ne pas apprendre la langue maternelle, être un médecin de qualité, on en a un sur le plateau, on peut être un professeur d'université, etc., etc. Mais si vous prenez comment le monde, et depuis des années, l'Afrique a produit des médecins, des docteurs, mais à profusion. Oui. Mais quand vous voyez sur le plan mondial, le nombre de brevets déposés, l'Afrique c'est zéro. Malgré tous les docteurs, les médecins, tout ce que nous avons formé, c'est zéro. Quand vous prenez le Vietnam, tu prenais la Chine. Voilà. Parce que, et peut-être que c'est là où la question est importante, nos cerveaux, parce que nous passons par le bachotage pour acquérir les connaissances que nous avons, nos cerveaux ne sont pas performants. C'est-à-dire que, peut-être que c'est moins évident aujourd'hui, mais de notre temps, quand vous allez à l'école, l'enfant qui arrive, tout de suite, on bloque le développement de son cerveau, on lui dit qu'il faut apprendre une autre langue, et ce cerveau-là va passer son temps à bachoter, à apprendre par cœur. Il va arriver, mais quand il arrive, le cerveau, il est fatigué, il n'est plus productif. C'est ça le fond du problème. Alors que quelqu'un qui naît, jeune français, jeune chinois, il se développe dans sa famille, dans sa langue, et il va à l'école, c'est un continuum, il n'y a pas de rupture. Vous voyez, ce cerveau-là, il est préparé à produire. Nous avons des cerveaux magasins de stockage, mais ça ne produit pas. Nous avons fait quelques expériences en langue maternelle avec les enfants, à Kourougou, partout. Mais au bout de 3 ans, ces enfants-là réussissaient des devoirs qui étaient au niveau de 6e, au niveau de 5e devoir de mathématiques. Parce qu'ils ont appris ça en jouant. C'est-à-dire que pour eux, c'était un jeu. Alors que c'est des devoirs mathématiques. On a fait ça à Kourougou, à Boundiali, le projet Nord, qui a été primé par la Banque mondiale. Donc c'est ça le fond du problème. Okay. C'est pas seulement que c'est du folklore, mais c'est ça le fond du problème. Voilà. Vous le dites, ce n'est pas du folklore. Et pour que nos langues soient enseignées, pour être bien parlées par nos enfants, par ceux qui vont venir après, il faut que ces langues soient dotées d'écriture. Et nous savons que l'île a fait beaucoup dans ce sens. Nous allons, avant d'arriver aux résultats des recherches au niveau de l'île, nous allons suivre ce projet pilote d'enseignement de la langue maternelle, la langue Boron à Boaké. Combien sont ces personnes qui aujourd'hui arrivent à parler correctement leur langue maternelle? Selon des linguistes, au fur et à mesure que passent les années, elles ne sont plus nombreuses. Certaines langues tendent même à disparaître. Il faut à tout prix que les langues maternelles ne disparaissent pas. C'est tout le sens du projet d'alphabétisation en langue maternelle initié à Boaké par l'Académie ivoirienne de langue maternelle, AILM. Ce matin, je donne des cours en conjugaison en langue bron. Le bron est la langue parlée dans les sous-préfectures de Transua et d'Assuefri dans la région de Bondoukou. Et savoir parler le bron n'est pas seulement l'affaire du peuple abron. En dehors de ma langue maternelle, je veux connaître une autre langue. Donc voilà pourquoi je suis venue apprendre l'abron. Et aujourd'hui, grâce à l'Académie ivoirienne des langues maternelles, je sais bien parler l'abron. Pour cette phase pilote du projet, les responsables de l'AILM ont choisi d'enseigner aux apprenants, en plus de la langue bron, la langue baoulé. Il y a des apprenants qui ne sont pas baoulés, mais qui veulent apprendre baoulé pour pouvoir cohabiter, pour pouvoir être en union parfaite avec les baoulés. Faire la promotion de la langue maternelle est pour le président de l'AILM essentiel pour parvenir à la réconciliation en Côte d'Ivoire. 3 mois
c'est le temps que va durer le cours en langue bron et en langue baoulé à l'école de l'ILM. À la fin de la formation, l'Académie s'engage à aider les plus méritants à s'insérer dans la vie socio-économique par un appui à la création d'activités génératrices de revenus ou à leur insertion dans le milieu culturel à travers la création de troupes théâtrales ou musicales. Aussi, le vœu de l'Académie ivoirienne des langues maternelles serait de voir un jour des langues maternelles enseignées dans les écoles ivoiriennes. Notons que le président de l'ILM, Adoua Kouassi, est lauréat du prix du meilleur promoteur culturel 2010-2011. Le vœu de M. Adoua Kouassi, c'est le vœu de tout le monde, surtout le vœu de tous ceux qui sont sur ce plateau actuellement. Professeur Jérémy Kouadio, quels sont les résultats de la recherche et des recherches effectuées à l'Institut des langues appliquées, c'est ça? Linguistique appliquée. Voilà. Ah, mais nous avons beaucoup travaillé et grâce au soutien des personnalités comme le professeur Aouli, je peux vous dire qu'une quarantaine de langues aujourd'hui disposent d'écriture, de grammaire, il y en a qui ont même des dictionnaires. Et vous avez vu tout à l'heure la bibliothèque d'exposition de l'Académie, ce sont ces ouvrages-là qui sont exposés. Donc depuis une quarantaine d'années, l'Institut linguistique appliqué créé par l'État de Côte d'Ivoire, financé par l'État de Côte d'Ivoire, a travaillé beaucoup sur les langues et a même fait des expériences dont j'ai cité une tout à l'heure, qui était une réussite. Et donc je pense que de ce côté-là, on n'a pas tellement de problèmes à se poser, mais il faudrait que tout ce que nous faisons sorte de la confidentialité et que les Ivoiriens sachent que ça se fait. C'est un peu le but de cette émission, que ça se fait et que celui qui veut apprendre le Djoula, le Baoulé, le Bété, aujourd'hui, il y a des facilités. Donc je pense que c'est ça le but de l'Institut. Donc là, nous allons commencer bientôt des projets d'alphabétisation. Et au moment où je vous parle, j'ai un séminaire sur la dynamique des langues qui se tient à l'université. Donc il y a beaucoup de choses se font, mais il faudrait que les Ivoiriens le sachent, que les Ivoiriens commencent déjà à réfléchir à cela. Donc c'est possible. Quand ils vont dire « donc c'est possible », en ce moment-là, tous ensemble, nous pourrons promouvoir ces langues-là. Au professeur Jérémy Kouadio, après nous allons venir au professeur Aouli, dites-nous pourquoi jusqu'à présent nos langues ne peuvent pas être enseignées à travers notre système éducatif. Mais on a commencé avec le PEI, on a commencé, mais c'est à titre le programme de collègues intégrés. On avait commencé avec 10 langues, oui. 10 langues avant la crise, oui. Et pendant la crise, bon, il n'y a eu que je crois, 5 écoles qui ont fonctionné. C'était des expériences à travers tout le territoire national. Je crois que ce projet, justement, va continuer. On a fait beaucoup d'expériences. Mais j'ai eu dit que ce projet, c'était justement pour renforcer la maîtrise du français au niveau des enfants. Est-ce vrai? Oui. On leur apprenait la langue maternelle pour qu'ils sachent mieux parler le français. On est parti sur l'hypothèse que lorsqu'un enfant sait lire et écrire dans sa langue maternelle, il a moins de difficultés pour ses études.